Demande pardon à l'empereur pour tes blasphèmes. Si tu acceptes de sacrifier, tu es libre. Les Vestales t'attendent. Puisque tu refuses, tu vas devoir te mesurer avec les meilleurs origes et les meilleurs caprices de l'Orient et de l'Occident. Donnez-lui un quadrige blanc et faites entrer.
Monsieur le gouverneur, y aura-t-il, comme de coutume, une palme, une couronne de laurier pour le vainqueur? Non, il n'y a pas d'autre couronne pour ceux qui blasphèment contre les dieux de Rome que la couronne d'épines. Damien a gagné les épreuves des jeux. Tu avais promis, s'il sortait vainqueur, de nous libérer. Tu ne respectes donc pas ton serment? Je n'ai pas à respecter. Ceux qui, dans l'Empire, sèment le désordre. Mais nous sommes pour l'ordre et l'obéissance. Taisez-vous! Vous êtes des conspirateurs. Mais non, nous sommes des chrétiens, fidèles de Jésus. Mais tu le nommes roi, ce Jésus? Oui, il règne sur mon cœur pour la justice et la charité. Mais quel mal y a-t-il à sacrifier à Jupiter et à Vesta? Je ne le ferai pas. Et quel mal y a-t-il à dire à César? Seigneur. Je ne le dirai pas. J'en appelle à vous, à votre cœur d'homme. Damien est un Gaulois, citoyen romain, que l'on ne peut convaincre d'aucun crime. Il avoue seulement qu'il est chrétien, et vous le condamnez? Rome n'a que faire de vos leçons prétentieuses. Cessez d'en vouloir aux gens humains et de haïr le monde entier. Ah, qu'on en finisse. Faites entrer les prisonniers. De la Rome impériale.